Peine. Je suis sous crack ou quoi? Il est où le dragon? Ils l'ont enlevé? On s'occupera de lui une autre fois. Je suis sur un autre truc là. Les wagons despawn à 12h50. Arrêtez, c'est un prank. Le nord c'est par là hein, les gars. Bon, c'est pas grave. Pathétique. Ah oui. Ok, on se la refait. Bon, je sais pas pourquoi on est là. Hein. Mais c'est la beauté de ce jeu. Hein. Ah oui, non, parce que par défaut il va toujours se remettre comme ça, oui. Et on en pense quoi de ça? Ok, on en pense qu'il faut aller par là. Ah non, ça va pas fonctionner. Trust, trust. Vous avez vu le dragon? Je suis sur autre chose, hein, désolé. Hein. Tu es vraiment en train de faire ça là? Ah mais une flèche en bois c'est inestimable. Donc pardonner. Mais pourquoi je monte à l'infini? Il a l'air particulièrement mobile, ce Golemax. Oh putain, attendez, non, 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 on a trouvé une machine à gacha, tout est pardonné. Un sanctuaire, oh non. Avec El Famoso Cristal. Robot chiotte, salaud. Oui, le dragon, ça aurait été sympa, mais bon. Vu son placement, il y aura...
Il y aura d'autres occasions de le faire. Ensuite, c'est vrai que j'aurais dû full focus ça parce que ça... Merde. Mais non. Ça aurait été potentiellement très stylé. Projecteur. Émet un rayon de lumière. Utile en pleine nuit ou pendant les grottes. Le canon. Ah oui, oui, le canon. Ça, on l'avait eu sur... sur le les véhicules golem qu'on avait contre les golems là. Quand on avait notre méga tank. C'était très rigolo. Bon, j'avoue le dragon, j'ai fuck up. Des excuses à toute la commu. Ensuite, rien ne nous empêche d'arriver pendant les 24 heures suivantes. Ah, ça, c'est vraiment Coro Gutierre. Il est chez le Golemax? Non, il est plus loin que chez le... Il est littéralement sur le Golemax. Ok. C'est la bagarre. Ah oui, des flèches par pitié là. J'en ai moins de 200, je me sens pas bien. La ressource la plus précieuse du jeu. On les connaît ces fruits? Ouh, oui d'accord. On les a appris récemment. On a appris à les connaître récemment. C'est la fin de mon long maillet sage. Cette machine là, les ressorts d'accord, mais bon, je sens que ça va faire n'importe quoi cette histoire. Ah mais c'est un picot, on pourrait essayer d'aller picota le... Ah mais oui, c'est un clou. Bon si on a déjà vu ces clous. Ah je pourrais peut-être le planter dans le golem axe pour pouvoir... Ah oui putain, il y a des tremplins partout, ça va être la mécanique du combat. Oh, ça a l'air horrible. Ça a l'air atroce. On va lui planter ça dans un bloc, quoi. Ah, j'ai que 100 flèches. Comment la merde, en fait? Il est où?
Ok, chiant. Oh, il est switch tout le temps. Oh, le connard, eh. C'est insupportable. J'ai plus avoir de flèche bientôt. Oh merci Jean-Mich. J'ai pas vu que c'était un ultime. Oh, le plan UK. Le temps qu'il la chie, ça chiarse. 86 flèches. Oh, ce combat va me mettre dans la merde, hein. Dégueulasse. Oui, c'est plus simple comme ça en même temps, hein. Idiot. Ça va quand même coûter très cher en ressources, hein. Ces phases là. Ok, maintenant j'ai vraiment besoin des... Non. Idiot. Idiot con. C'est au-dessus de moi là. L'ombre. Ah mais oui, Pierre. Elle tombe plus bas, c'est pour ça que je me fais baiser. Oh la triple. C'est dommage qu'il me donne pas la belle arme qui va avec, quoi. Parce que là, faut accrocher un beau truc à ça, hein.
ramasse toutes les saloperies que j'ai jetées dans le vent. Le problème c'est que ouais, mes bonnes armes elles sont déjà sur des trucs quoi. Mettre sur la lance, mais le problème c'est que la lance je m'en suis déjà servi et du coup je sais pas si, même si je défais l'amalgame et que je remets un amalgame dessus, la lance elle sera quand même fragilisée, non? Sinon j'utilise une grande machine, une grande baguette magique, mais c'est vraiment ridicule quoi. C'est-à-dire que l'intégrité de mes baguettes magiques, je les utilise pour tout sauf sauf la magie quoi. Mets-le de côté en attendant. Mais je peux pas. Ensuite, sur l'autre baguette, hein, ça marche très bien, hein, le... Ça, là. Tant sur mon épée, quoi. C'est un manche Kali, quoi. Oui, au pire, je peux défaire l'amalgame, c'est vrai, ça. Ouais. Oh, la belle prise. Putain, et du coup j'ai 4 armes golem axe. La lance de commandant c'est insane hein, parce que je l'ai utilisé beaucoup, j'ai fait des attaques sautées avec de très très haut. Hyper... Ah oui mais c'était une lance de somnium robuste à la base. Ben bien solide hein. Oui, si je défais l'amalgame, je perds la pièce d'amalgame, mais il y a un PNJ qui permet de défaire les amalgames en conservant la pièce. Je l'ai trouvé il y a pas longtemps. Bon, j'ai pas envie de tester de la foutre sur un tremplin. Hein. Ah, mais je vais pas avoir le choix en fait. Ah mais la machine que j'ai emmenée chez le boss, comme un bolos, c'est celle-ci dont j'avais besoin pour envoyer le cristal. Comment je vais faire là? Moi je vais pas avoir le choix en fait. Il va falloir bricoler un truc. Parce qu'elle a disparu, il l'a fait tomber, je sais pas... Edge, non? Je vois pas un seul scénario où ça va pas mal se passer. Moment d'espoir à venir encore. J'ai besoin d'une planche. Je le sens tellement mal cette histoire. Je suis vraiment en train d'utiliser ça, genre... Mais j'ai plus d'épée. Ça tranche. Mais c'est une blague. J'ai pas de quoi trancher un arbre. Non, c'est casse-pierre, ça. Vous inquiétez pas.
Oui, le problème c'est que si je colle le cristal, ça va pas marcher. Bah oui, déjà, on a un problème. Est-ce qu'on a des rochers, des boulders ? Mais on a ça, mais le problème c'est que si on active... Ouais, mais s'ils sont pas collés, ils vont pas s'activer. Mais c'est un cauchemar ? Ok, trust. La team Cook. Il va peut-être m'en falloir d'autres. Déjà la première heure que j'ai fait, c'est de vouloir faire ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas le coller, c'est juste déposer ça. Imagine, là genre c'est trop haut. Oh, j'ai tellement peur. De toute façon au pire ils le font respawn, non? Allez, hein, faut tenter. Ah non, parce que qu'est-ce qui se passe s'il tombe... S'il tombe du ciel, quoi. Mais c'est... Ok, donc ça confirme, mais... Non! Ça confirme mes craintes. Trust, trust. Very nice phallus. Attendez. Y'a aucun monde où ça se passe bien. Attendez, attendez. Reste, reste, reste. C'était vraiment deux superbes VOD jusqu'à ce moment-là, mais... Ça y est, là. Je pense que l'histoire est en train de s'écrire, là. Je suis con, pourquoi je me fais chier?
Oh non, oh, c'est pire. C'est pire. Oh là là. Oh putain, oh, je vais faire ça. Oh, attendez. Que Dieu me pardonne. J'ai une nouvelle idée. Que Dieu me pardonne. Mais j'ai plus de propulseur, non? Je n'ai qu'un. The only one. Même si je fais ça, je vais crever. Mais non. C'est dramatique. Crust. Oh, c'était chambé jusqu'à ce que... Fallait que je réappuie. Mais qu'est-ce que je fais une fois que je les rewind? Ah non, j'aurais pu vraiment le rewind juste au-dessus de moi. Ah oui, mais je pensais qu'il allait, oui, je croyais qu'il allait repartir, mais c'est pas ça la mécanique. Bon, j'ai fait de la merde et j'ai plus de torpilles. Alors j'avais réussi mon coup. J'ai fait le con. Ok. Putain, ça avait fonctionné. Ma torpille, ça avait fonctionné. Juste le roi des cons. Je suis deg. Je suis deg. Mais oui, je sais pas pourquoi, je me suis dit si je l'arrête au-dessus de moi, il va repartir après. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne la mécanique. Il serait tombé comme une feuille morte. Putain, je suis dégoûté. Ok, on va faire autrement. Ok. J'en ris d'avance. Le problème, c'est que je dois le décoller. Ou bien... Ok, j'ai une solution. Est-ce que je peux le prendre? Non, je peux pas le prendre. Que Dieu me pardonne, que Dieu me pardonne. Que moi je voulais m'envoler avec en fait, mais on va tester autre chose. Ça va pas être possible. Non mais j'en ai pas un autre en rab. Putain, mais quel con! Si j'avais juste arrêté le rewind, c'était gagné. Mais putain, mais c'est pas possible. Pourquoi? Hein, pourquoi la VOD était si parfaite? Oh non! Tout était si bien. On vivait une session extraordinaire.
Ah, je voulais juste voir si elle activait de faire ça. Ok, vous êtes prêts? Bon voyage. Non. Non. Mais comment je vais le récupérer? Je vais mourir, je pense, à son contact. Super. Tu balances toujours des écailles, bro, ou pas? Ça sert pas plusieurs fois, non? Le froid est insupportable. Non, c'est juste une fois. Elle est passée où? Attends, mais je suis en train de me faire baiser dans tous les sens ou quoi là? J'ai cru que je la suis. Ok. Non mais je suis dégoûté. On a perdu. Putain, mais quand je pense que j'avais réussi avec ma torpille. Mais en plus, pour retourner à cet endroit, c'est cauchemardesque. Parce que j'ai pas validé le sanctuaire. L'aude, mais j'ai rien à l'aude. Ce qu'il va me proposer de l'auder, c'est la fin, non? Charger. Ah non. Ça, c'était avant le golem max. C'est la première fois qu'on chargerait la partie. À 2h43. Mais 2h43, c'était le drame était déjà fait. Bof, en vrai, de reload. Et parce que du coup, mon... Attends, il va m'écraser la sauvegarde automatique parce que mine de rien, on avait les cailles de dragon. Ensuite, le drop de dragon, ça se récupère. Il est où le cristal? Ah, il est de retour là, quoi. Non, j'ai pas la torpille ici, c'est 2h43. Mais quel ennui! Alors, je veux juste voir un truc. Bon, alors tout est pardonné. Ah oui, ils ont remis le bloc. Bon, on va se téléporter, c'est pas grave. Putain, mais quel scam, le temps qu'on a perdu alors que j'allais encore... J'avais encore trouvé une solution de génie. Avec la torpille, ça fonctionnait. Juste oublier que le rewind, oui, elle allait juste tomber comme une feuille morte, entre guillemets. Temps perdu. Et du coup, là, on a nos deux VOD, hein, grâce à ce superbe moment. Ça, c'est vraiment un moment Nutella, hein.
pas emmerdé une seule seconde, hein. Attends, j'ai une idée de zinzin. Ah mais oui, putain. Ah oui, mais non. Parce qu'il faut que moi aussi je m'accroche, sinon elle va repartir en boucle. Parce que si tu mets un bloc là, tu l'envoies, ensuite t'accroches vite fait le cristal dessus, et tu fais rewind, mais faut être dessus quoi. Alors qu'est-ce que... Mais j'ai pas de bloc là à dispo. Je vais pas m'accrocher à un vase quoi. Mais c'est clair, c'est le meilleur truc en fait. C'est la solution la plus rapide. Mais il y a des trucs... Bah un tremplin, on peut s'accrocher. Un convoyeur. Une marmite. L'idée de merde. Et là, je veux que ça s'arrête. Mais c'est sûr que le planeur n'allait pas fonctionner. Mais le problème, c'est que j'ai besoin d'un truc où je vais m'accrocher. Non, mais... Ne vous inquiétez pas. Je vais voter de Zanzito. Oh. Attendez. Qu'est-ce qu'il me fait du coup? Un truc auquel je pourrais m'accrocher quoi. Ouais, non, c'est mort. Hein. Un peu déçu. Mais j'ai pas racheté de torpille, quel intérêt de revenir là? Moi, je voulais revenir ici après avoir acheté des torpilles. Sinon, là, on est reparti pour un plan HUC. Oui, il y a la machine, c'est vrai. On a perdu 150 ans sur cette merde. Dégoûté. Et c'est quoi donc le plan glorieux? Oui, je peux le clouer. Oui, c'est vrai. Alors, clouons-le. Mais on s'en fout. Ah oui. Non. Ah non.
Oui, parce que là, ça... Ah, faut que je change mon clou, non? Le clou, là, il m'arrange pas trop. Oh, quoique... Bon, si, c'est très bien, là. On est sur un banger. Non, alors... Ah. Bon, là, c'est un ratable. Hein. J'espère qu'avec la machine... Trop facile, hein. Trop facile, hein, avec la machine, hein. Par superstition, j'ai quand même préparé le rewind, hein. Trop facile, hein. Putain, mais ça aurait dû passer il y a 20 minutes! Quand j'avais mis la torpille! Oh, ça m'énerve! Dernière fois que je me fais arnaquer, hein. Je suis un déglingos? Oh putain! Un énorme déglingos. Attendez, je vais l'accompagner hein, cette fois-ci. Je serai du voyage. Ok, ma belle. Attends, mais est-ce que je vais pouvoir remonter? Rien n'est moins sûr. Il faudrait que je trouve un mini coin où je peux poser mon pied pour utiliser infiltration. Oh, c'est Dedge. Oh, c'est Dedge. Y'a rien. Juste espérer qu'ils l'ont pas fait respawn là-bas, quoi. Ils l'ont totalement fait respawn.
Putain, mais j'avais réussi direct. J'avais tué le golem max, c'était vite. Alors que c'est le golem max ultime, c'était stylé. La torpille, c'était bon. Rétrospective, j'ai fumé du crack. Et voilà comment on perd 45 minutes ou je sais pas combien. Ça dégoûte. Dès que tu mets la pierre, je go dodo. Ah, moi, je peux pas terminer là-dessus. Hein. Ah, mais je vais être mort demain, non. C'est déjà foutu, 3h du mat. Ah, on va faire toute la journée avec l'enfant, je vais être cadavérique. Je vais canner. Vive le café. Ok. Allez, je voulais aller on va aller au ciné en plus, là. Oh putain. Oh, Inch, je m'endors. Hein. Je m'endors au ciné. Non, il me laissera jamais dormir. Ok. Très bien. Je vais voir un... comment ça s'appelle ? L'arbre des vœux. Un truc avec des écureuils en 3D dégueulasse. Je le vends super bien, je sais. L'arbre à vœux. On a vu Mario, hein. Ce sera pas mieux que Mario, hein, ça c'est sûr. Ah oui, alors non, j'y vais pas avec, hein. Moi, je prends plus le scam, là. Hein. Non, mais ça va bien se passer. Oh, l'étoile filante. Bon, il a pas respawn. C'est la bonne nouvelle. Enfin, je crois, hein. Elle despawn à quelle heure l'étoile filante? À 6h du mat, c'est ça? C'est dead, hein. Putain, j'en ai plein le huc. À 5h. J'y vais avec elle et j'utilise tout de suite. Je spam la paravoile pour que. Il se prenne pas les dégâts qu'il a pris tout à l'heure. Je vous propose de finir le jeu à 100% sauf ce sanctuaire. Ah, je suis écœuré, quoi. Ça fait. En plus, ça, Breath of the Wild, ça nous arrivait tout le temps, ces moments plan cul. Et jusqu'ici, j'avais. Commis l'exploit qu'on n'avait pas eu trop de situations de ce genre là justement. On a plutôt été brillant. Là c'est cauchemar. Voilà putain, tout ce qu'il fallait faire. Oh là là, bordel de merde. Commence pas toi, hein. Attention hein, c'est pas fini, on sait jamais, hein. Oula! Ça aurait été tellement gigantesque que je la foute. Ok. Dans la catapulte. Très bien. Oh putain, quelle aventure, hein. Mais à la base, en plus, j'étais attiré par... avant d'arriver là, oui, mais putain, on est arrivé là parce qu'on a pris le planeur, parce qu'on a voulu l'autre tour, oh là là, putain. Un bel arc.
oui, à la base, je voulais une photo de la stèle. Ah, il nous reste un sanctuaire, je suis désolé. Ça serait inhumain de s'arrêter là-dessus. Aussi, faudra que je me souvienne, mais je m'en souvienne, mais il faut absolument que je me reprenne des. Des propulseurs. Ah, Titou, de rien. Merci Luxei qui nous a raid. Merci Bengen. Sainaos. AEG Michoudaube. AIA 3. Nouveau Prime. Merci. Merci Enzap. Alex Rock. Pour le siècle. Dinaer. Ah, Dinaer. J'arrive. Marlieuse. Merci The Ninja. Sies. Eskayagami. Elakzu. Merci encore. Alors je retourne là parce que c'était là. On était parti là. Oui, voilà. Il y a la tour juste au-dessus, voilà, ça me revient, hein. Avant que ma vie devienne merdique. On était sur ce bail-là. On voulait aller sur cette île là-bas, et ensuite on a juste fait une escale à gauche, et on est tombé sur le planeur, et c'est là que tout est parti en couille. C'est à cause de ce move, entre autres. On a perdu plus d'une heure, là. Ah, j'ai pas le time. Oh, j'ai tellement pas le time de m'occuper de toi. Oh, je vois même pas où il est, en plus. Il me fait perdre un temps de fou. Ah, du coup, je vais être... Je vais encore être obligé de faire une escale à la con, là. Ah bah, super. Putain, et les flèches, c'est une dinguerie, hein. J'en avais plus de 200. Maintenant, on est dans la merde, mon gars, quoi. Ah, il y a un temple juste au-dessus, tiens. En dessous. Mais avant d'aller à ce temple, je vais faire quand même ce que je voulais faire. Back in the day, you know. Ma seule angoisse, c'est que je suis pas sûr d'y arriver à ma stèle nulle, là. Ah, mais c'était sûrement mieux de partir du sanctuaire, non? Ah non, il est loin. Oh, putain. Putain, idiot. Retourne-toi, hein, t'emmerdes pas. Te retourne pas, surtout comme ça, tu... Il avait pas repris toute son endurance. Reste. C'est quoi ce tourbillon dans la flotte là? Oh, j'ai envie d'y aller. Mais c'est en irulien, c'est pas bon. L'autre idiot, c'est le sonium qui l'intéresse, enfin le sonao. Ah, l'appareil photo, ça sert à rien. Genre oui, là, on est bien d'accord que ça ne sert à rien. Il m'indique pas du tout que je suis en train de photographier quelque chose d'intéressant. Le OZEF est total, là. Je
suis con. Il suffisait de les valider sur la carte. Ah oui, mais ce qu'il me demande de valider, l'autre con, c'est des choses qui sont tombées dans le... qui sont tombées déjà. Ah non! Non, mais ça, c'est là où j'ai pris la quête. C'est Cocorico, donc non, rien à voir. Voilà. En souvenir, je prends cette photo inutile. Pour me rappeler que ma vie, c'est de la merde. Ok. Cependant, pas de panique, la tour est juste en bas. Oui. Évidemment, il y a une embrouille. Qu'est-ce qui se passe? Y a pas un PNJ pour me dire ce qui se passe? Y'a quelqu'un? Oh non, mais dans quoi je me lance encore? Mais j'ai pas le temps. Non mais non mais... Oh, oui. Oui, oui. Time. Et j'en étais sûr. Fais un effort. Du con. Ah, le piaf, il prend le tarif à chaque fois. Bon alors qu'est-ce qui se passe? Ah non, on est parti sur un délire. On est parti sur un plan Hulk. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh! Mais qu'est-ce que tu voulais, toi? Bon, sans code, en fait, tu pourrais peut-être m'aider. J'ai déclenché un piège en explorant les ruines et me l'ai coincé. Oh, c'est bien ma veine. Oh! Tu vois cet interrupteur? Si t'appuies dessus, ça devrait me libérer. Non mais il manquait plus que ça. Moi je voulais juste la tour et faire un dernier sanctuaire. Appuyez sur le mauvais bouton. Bon, l'entrée de la grotte est par là. Oui, c'est à cause des champis que mon truc casse-pierre casse pas la pierre, mais c'est du génie. Un camp de méchants. J'ai pas envie de faire un camp de méchants, moi. Je veux juste rentrer dans sa grotte, là. Ça doit être là. L'idiot là. Et le trésor alors? Ok. À la tour de reconnaissance, voilà, c'est bon. Tout est pardonnaire. Oui, non, ça va pas être sous la tour, oui. J'ai même pas regardé la carte. Et puis, je me suis extrait juste après. Mais bon, c'est assez à côté pour que ça nous intéresse. Donc là, il est là, il me l'a ouvert, Tu l'as réparé? Eh ben, merci. T'es pardonné. Le coffre était vide, il l'avait déjà pris.
seulement joué à Twilight Princess. Ah. En effet, il y a eu du changement. Bah, il y a Breath of the Wild déjà qui s'est rapproché de l'esprit du premier Zelda, c'est-à-dire un monde hyper ouvert et la possibilité de faire un peu tout dans l'ordre qu'on veut. Avec plein de mécaniques très très cool. Mais bon, celui-là est encore beaucoup plus grand que Breath of the Wild, qui était gigantesque parce qu'il reprend la map de Breath of the Wild en l'enrichissant, plus rajoute le ciel, plus les profondeurs. Et les nouvelles mécaniques de crafting, machin, fusion, passer à travers les plafonds, machin, oui, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est dense, c'est dense. J'avais repéré un temple back in the day, qui était pas loin, qui était le rouge. Je vais sûrement en repérer d'autres d'ailleurs si je fais un effort, mais je suis explosé. Ah oui, il est juste en dessous de moi, oui. Ah oui, la carotte, n'est-ce pas? On voit pas d'autres, là? Ils vont commencer à les planquer, là? Il y a sûrement d'autres que je peux rajouter sur ma carte, hein. Ah, il doit y en avoir un au milieu du cratère. Hein. Oula. Bon de merde. C'est de la roche normale, ça? Ah mais oh, y a un idiot. Oh non. Faut encore faire tenir le panneau pour l'autre con, c'est ça? Oui, oui. Ah, mécanique marrante, il y a une planche là, donc faut mettre une grosse faut mettre le gros rocher sur la planche. Pour que ça tienne. Bravo. Allez. La forme qui recouvre. Oh, si j'avais eu mon bouclier à wagonnet, j'aurais pu faire ça sans la planche. Ah oui, on serait éclaté avec le bouclier wagonnet là. Hein. Que du scam, hein. Ah oui, non, ça a pas fonctionné. Parce que ça glisse sur le métal. Sinon, on le fait en one head. Hein. Ça, c'est bien one head, ça. Bon, c'est quoi le programme? On descend... Ça c'est du contenu, ça c'est en exclusivité pour cette chaîne. Je rappelle que tout ce contenu est gratuit. Hein. Putain, mais...
idée à la con. J'aurais pu le faire, mais j'avoue que j'étais dépité par ce que j'étais en train de faire. Ça se faisait. Bon, de toute façon, on a juste besoin de ça. Ah, mais faut emmener les autres, non? Moi, non, les autres étaient là. Ça aurait pu être bien d'emmener les autres. Elles vont nous servir par la suite. Attends. Et là, il va me la refaire respawner parce que j'ai loupé. Ok, pas. Par acquis de conscience, je vais quand même tout prendre. Vas-y, prends tout. Ah, il veut pas. Ah, je voulais pas les coller, quoi. Bon, c'est pas grave. Ça va peut-être nous servir, hein, le stuff. Et le problème, c'est que j'ai pas collé le reste. Le problème, c'est est-ce qu'elle va partir. On sort pas, hein. Mais attends, mais elle va faire le virage. J'ai pété les plombs. Mais j'aurais mieux fait d'y aller à pied. Mais je vais y aller à pied, hein. Oui, non, d'accord, je suis con, ok. Non mais oui, dans ma tête, c'était... Le truc marchait par défaut, mais évidemment qu'il marche pas par défaut. Donc oui, on va faire... On va se faire chier, comme on dit, hein, dans le milieu. Donc oui, on va lui faire des trucs pour pas qu'il tombe, hein, le petit gars. Petit bonhomme. C'est assez ça ou pas? Ça a l'air d'être pas mal, hein. Bon, c'est pas opti, mais ça devrait passer. Quand je pense que j'aurais pu y arriver à pied. Hein. J'étais quand même aux deux tiers. J'étais aux deux tiers. Bah là, une torpille et c'est réglé, mon gars. Bon, ça nous dit quoi derrière? On a des ventilos. Ah, mais y a un chemin trésor, un chemin... C'est quoi le là? C'est quoi le bail? Oh, le plan Huc. Ok. D'accord. Et à droite, ça va où? Ça va nulle part. C'est vraiment en mode ah, t'es con. Sous notre gueule ou quoi? Ok. Ah. Mais si je fais ça, alors là, vous allez être très surpris par la performance, car en partant d'ici. Et vous dites, mais c'est n'importe quoi. Sauf que, après, il va rejoindre le bon. Alors, ça va être un beau moment d'e-sport. Ça. Ah, Antoine, salut. Ah, et moi, je suis trop saucé. On est sur une partie d'exception, hein, bien sûr. Sauf là, il m'est arrivé quelque chose de dramatique. Avec un vieux cristal, c'est la première fois que j'ai perdu autant de temps sur le jeu. Mais ouais, le jeu est fantastique. Mais j'espère que je vais y arriver. Parce que la plupart des énigmes, c'était vraiment speedrun. Mais on a eu un petit dame tout à l'heure, en effet. Bon, là, je suis en train de faire n'importe quoi, mais c'est pour l'expérience. Et mais vous, on peut le faire à pied, non?
Là, je le fais à pied. Pour la vie de ma mère. La vie de ma mère, si ça passe pas, je le fais à pied. La dinx. Mais ça, déjà, ça a pas marché, j'ai pété les plombs. Pourquoi il veut pas se déplacer Oui. Ah oui, non, parce que je fais de la merde, ok. Vas-y, fais tomber, fais tomber. Désolé, j'ai fait nimp. Ah mais... Qu'est-ce... Pourquoi je fais ça? Trust, trust. Et pourquoi pas? On est sur une très belle aventure. Mais c'est pas droit, c'est dégueulasse. Mais non mais pas. Jamais tu l'accroches au truc, crackhead. Voilà. Il accroche où? Allez, on n'a pas le temps. Pas le temps de niaiser. Hein. Ah, quelle belle aventure. Attends, je veux juste voir si c'est possible de le faire à pied. Oh, c'est tellement... Ah bah oui, c'est trop lourd du coup. Attends, je vais vraiment le faire en live. Oh le psycho si je le fais en live. Non, vas-y, arrête. Fais mon sérieux. Donc c'est un peu trop lourd. On va prendre celle-là. On la tourne, go go. Ok, c'est chiant. Ok, c'est très chiant. Ok, merci. La colle. Alors, pas au ventilo. Qu'est-ce qu'il me fait? Merci. Ça, ça dégage. En route. Ah mais attends, mais déjà on part pas du... Faut partir du début. Oui mais c'était le cas, oui. Non, c'est juste que ma vie est merdique. On peut partir plus du début que ça, peut-être qu'il va prendre de la vitesse. Et pourquoi il est en plein milieu? Pourquoi il est pas derrière déjà? On est quand même sur une dinguerie. Hein. C'est un échec. Bon, vous savez quoi? Je vais vous montrer ce que c'est le gaming, moi. Déjà, cette épée me gêne. Moi, je pense qu'il faut qu'on passe sur du contenu style gaming, quoi. Quand tu commences à paniquer, c'est du père. Hein. Peut-être que, vous savez, c'est comme... peut-être qu'il faut tenir quelque chose en équilibre. Peut-être que s'il tient quelque chose en équilibre... ça l'aide à... Il a une hitbox plus large. Ah oui, non, c'est bon. Il veut même pas avancer. Et on se donne... Donnons-nous 3 tries. Ça se passe très mal. Hein. Ça se passait beaucoup mieux tout à l'heure. Hein. J'ai trouvé la solution. Oui, moi, je suis très, très solution pensée par le jeu, moi. Ok putain, autant celui qui descendait c'était facile, celui-là il a vraiment une hitbox dégueu. Bon ok, qu'est-ce qui se passe? Je sais plus s'il y a le... Alors attendez, ça va être intéressant de le savoir. Est-ce qu'il y a ce principe de on les met tous à la chaîne et c'est rigolo? Parce qu'après tout ça fonctionnait avec les tremplins j'ai l'impression. Est-ce que genre ça devient un super propulseur du milieu et tout le monde est content? Ok, je suis en train de passer un moment exécrable.
On était sur un... On était sur quelque chose. C'est un drame. Ok. Ok, j'ai la ref. Ah mais c'est que les trucs blancs ils glissent pas sur le métal comme Mais ça c'est n'importe quoi. Mais ça c'est vraiment le... Ah ça c'est clownesque. Trust. N'importe quoi le truc, c'est YOLO. C'est le YOLO le plus total. On va crever, on va tous crever. Eh parce que ça glisse mais le blanc là c'est de la merde. Le blanc c'est pour pas glisser justement. Trust. Je sais pas pourquoi celui-là, j'ai pas envie de le faire. On sent que le truc m'a usé. Putain, je suis en train de niquer ma baguette magique, hein. L'heure du drame, c'est maintenant. Bon. Oh, en vrai, attendez. Oh, j'ai une vibe. I've got a vibe. Vibe check. Oh, attendez. Oh, j'ai un truc de zinzito. Mais ça sera pas assez large. Juste un V sera pas assez large. J'avais une idée de fou. Moi, je suis un passionné, c'est pour ça. Moi, ce qui me drive, c'est la passion, quoi. Ah ouais, non, putain. Ah ouais, le V, là. Oh, le V, j'y croyais dur comme fer. Et ça, c'est bien, en fait. C'est ça qu'il nous faudrait. Mais le problème, c'est qu'ils m'ont mis... Ah bah, ok. Oui, bon, on va faire ça. Je pense que je peux faire... Oui, mais ce truc de clodo a fonctionné, totalement. On fait juste... Ouais, une bonne solution de clodo comme on les aime. Ah, nous, on est passionnés, vous savez. Moi, je suis comme Samuel Etienne, vous savez. Hein. Quand on travaille très très dur... Eh ben, on y arrive forcément. Regardez. Là, j'ai tout donné. Et ça a marché. Regardez. Et voilà. C'est évident. Regardez, les turbines rentrent de manière optimale. C'est un banger. Alors non, si on veut transformer ça en véritable banger, on se met 7 planches d'assurance, bien entendu. Oui, et là on est sur du banger. Non mais attendez. On va descendre, hein, faire ça. S'assurer que le travail est bien fait. Ouais, là c'est imperdable. Je pense que là on est sur de l'imperdable. Non mais franchement, normalement, ça devrait pas nous poser problème. Quand je pense à la machine de fou qu'on a fait là, le jet, le F-16. Souvenez-vous du F-16 qu'on a fait pour amener un cristal à un temple. À côté, ça c'est du pipicha. Là on est sur du banger. Hein. Là, franchement, je ne comprends pas si ça ne fonctionne pas. Je serais dans l'incompréhension la plus totale. Hein. Ok, donc pas de soucis, c'est notre checkpoint. Ici c'est notre checkpoint, hein. Vous l'aurez compris. Oui, mais si j'arrête tout, est-ce qu'il est bloqué? S'il est bloqué, c'est incroyable. S'il est pas bloqué, c'est le cauchemar. Ok. Oui, mais qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai l'air d'un con, le roi des cons? Non, pas forcément.
Alors, on détache ça. On la fout là, au milieu. C'est très bien, ici. Ici, c'est banger. Très bien. Allez, allez, on décroche. Non, 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 bouge pas trop. Ici, c'est parfait. Alors là, c'est technique, hein. Pas plus besoin de toi. Non plus. Et on repart. Oh non. Oh, tu peux pas me faire ça. Ah mais c'est le ventilo central qui fout la merde. Non. Tape, tape, tape. Tape dans un ballon, tu verras comme le monde est rond. Mais non mais il a collé les deux ventilos, du coup moi j'avais peur de tomber dans le vide, c'est pour ça. Oh merde, j'ai lâché mon ventilo. Ok, c'est bon. Eh, je peux me lâcher de là, hein. J'ai envie de me lâcher de là parce que j'ai peur. Non, c'est bon, j'ai mon truc central. Par contre, si deux ventilos suffisent pas... OMG, non, c'est bon, c'est bon. Bravo! Jamais douté, hein. Putain, mais quand je pense qu'on a enchaîné 3-4 VOD où on faisait 6 sanctuaires à l'heure, là... In tout... Une heure sur le cristal de merde et... Du coup, on en est à 4 heures de VOD, mais comment ça fait pas de VOD, là, ça fait ni... Et ça fait pas 3 VOD non plus, comment on va faire? Faudrait continuer. Il est 3h30? Putain, mais quand je vais faire... Oh, ma journée va être pathétique. C'est ça, on fait levier et c'est gagné, non? Vas-y, lâche ta merde. Ah, eh ben nickel. Bravo! Parfum de champignons que dégagent ces boulettes de riz quand on ouvre la feuille dans laquelle elles sont cuites est à tomber. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de... Si je passe dessus, il me donne la recette? Ou c'est juste je devine la recette avec la description? Oh putain, j'ai cru qu'il se réveillait, genre en mode... Haha, j'étais en fait un crack-boule. Superbe, bravo à nous. C'est un cauchemar. Il est grand temps d'arrêter. Mais quelle session ! Est-ce que j'ai vu l'intervention de Pandré sur France 5 dans le Mac de la Santé? Non, j'ai vu en effet le screenshot sur Twitter qu'il s'est fait interviewer en tant que Michel. Dans un CBD shop ou je sais pas quoi. Il faut que je vois ça, ouais. Ah, ils avaient mis un passage vidéo sur Twitter. Ouais, j'irai voir. Incroyable, je suis ému. Notre 7e cœur est... 2 cœurs de suite. Ça a changé ici, hein.
Bon, en même temps, on a utilisé quoi? 12... On a pris 12 trucs d'endurance, non? Non, peut-être pas. Quoique si, pour faire le cercle entier. Oui, non, mais oui, non. 8. Pour faire le cercle entier, c'est 4 ou 5, je sais pas. Non, c'est 4. Ouais, c'est 10, ouais, j'ai mis 10 dans l'endurance. Ah non, 10 en tout. Ah, c'est pas clair. Cette cœur, de quoi pas forcément se faire one shot. Attendez, vous savez quoi? Avant de terminer, putain, c'est un cauchemar. Il faut que je me souvienne où se trouve. C'est là. Ah mais on les voit, on voit les pommiers là, non? Non, c'est une tour. Crackhead. Je veux juste, faut me mettre un tampon sur là où il y a les pommes. Ah, c'est 5 pour un cercle. Ouais, donc 10 dans l'endurance, 2 pour un... Ah mais non, mais là c'est la neige. J'ai froid. Ah, il fait encore froid là, alors qu'au village PF il fait plus froid. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ah oui, parce qu'on avait battu le Linel, mais là il y avait un craque-boule de neige. Mais c'est moins loin que ça, les pommes. Ah oui, là, c'est les mains de mort. Peut-être là, mes pommes. Il y a des arbres, là. Hein. Sub tier 3 et tu as dodo? Comment ça? Ah oui. Non, non, c'est imminent, vous inquiétez pas. Vous ne pouvez utiliser un même amiibo qu'une seule fois par jour. Ça fait quoi l'amiibo dans le jeu? J'ai vu que le speedrun utilisait la catégorie était avec amiibo. Ah voilà, c'est là. Donc tu reçois Napano. Attention. Le sanctuaire, c'est une dinguerie. Putain, mais y a pas de tampon vraiment adapté pour ce que je veux mettre, quoi. Je veux mettre de la nourriture, quoi. Ah bah si. Parfait. Mais le problème, c'est qu'il me faut des haches. J'ai plus de haches. J'ai même pas d'épée, là. Toutes mes armes, c'est n'importe quoi. Ah mais la who? Non mais la houe, qu'est-ce qu'on s'en fout? Je crois que j'ai jamais utilisé la houe dans Breath of the Wild. Hein. Ah, ça fait tomber les pommes! Ah oui mais attends, faut... Je viens de me rappeler, il y a des arbres cursed. Il y a des arbres qui vont m'attaquer. Mais non, c'est de la merde. Pourquoi j'ai la houe? Ça nous emmerde. Tu nous emmerdes avec ta houe, c'est nul à chier. Quel bonheur. Mais ça c'est ultime banger quoi. Il y a 200 pommes ici. Non par contre la houe c'est pas possible. Ah oh, mais c'est ça putain quand j'aurais dû prendre la lame boko. La lame boko quand j'étais dans le bunker là. Non mais y a pas de la roche pour faire des haches. Ça serait le plus simple quand même. Pas, hein. Assez surpris de pas m'être fait encore attaquer par un arbre possédé. Ah, on l'a entendu. Ah, superbe. Ah, ça c'est des rochers, mais c'est pas des rochers pour faire des haches. Ah, ils arrêtent de bouger quand on s'en va assez loin. Ah non, il y a... Ah du coup les pommes vont être grillées. Je peux même pas lui faire mal si j'ai pas de truc qui coupe je crois. Oui c'est ça, c'est là tout le problème. Faut le laisser brûler quoi. Ah mais là il a arrêté de brûler. Sage.
problème c'est qu'il y en a d'autres quoi. Moi juste une hache bro. C'est vrai que ouais on en trouve peu des pierres coupées pour faire des haches. Mais peut-être que je peux les faire moi-même les pierres coupées en fait. Ah oui peut-être que je suis complètement con. Peut-être que j'ai de quoi faire des pierres coupées moi-même. Faut que je scinde la pierre. Merci à tous. Bon faut que j'arrête hein, c'est vraiment le jeu de la drogue. Des bisous YouTube, je sais pas comment je vais couper ces VOD. On se souviendra de ce cristal. Hein. Un cauchemar. Je pense que le cristal vaut une VOD à elle toute seule. À lui tout seul. Au revoir.